Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma chaîne. On va se faire du gameplay. On va se le faire se rassembler dans Resident Evil 5, Mercenary, avec Sheva en mode tribal. Voilà. Alors je prends ça parce que tout simplement, elle a l'arc illimité, hein, malgré que c'est chaud à viser avec. Je me suis un peu fait. Donc du coup, je vais essayer de faire le plus de gameplay à la suite possible sans mettre des temps d'arrêt quoi. Si jamais il y a un moment, je sais plus quoi dire, machin et tout, que je suis obligé de couper à ce moment-là, on verra bien quoi. On verra bien ce que ça donne. Je vais essayer vraiment de faire le mieux possible. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je crois que je vais peut-être pas réussir tant que ça. Mais enfin bon, on verra bien ce que ça donne. Donc je vais parler de la chaîne. Donc elle s'appelle Succès 300. Donc ça va surtout être basé comme son nom l'indique, enfin basé pas vraiment, mais je vais essayer en tout cas de faire beaucoup de choses là-dessus. C'est sur les succès, sur l'aide, tout ça, des succès, sur si jamais vous avez besoin d'aide, si jamais il y a, enfin ouais, enfin, je sais pas comment dire exactement, mais vraiment essayer d'avoir le plus de d'aide possible au niveau des succès, tu vois, au niveau de tout ce qui est par exemple si jamais il y a des trucs à faire en ligne, tout ça. Enfin, ce genre de choses quoi. Alors là, par contre, je suis un peu nul parce que, ouais, en fait, c'est dur. Ouais, je m'en rendais pas compte comme ça, mais c'est un peu dur de jouer en même temps qu'on parle quoi. Et donc, du coup, je vais essayer de vous aider le plus possible. Vraiment, ah, donc si vous avez des trucs à me demander, genre ah, j'ai besoin d'aide pour tel succès machin, est-ce que machin, vous me demandez quoi. Vraiment, je vais essayer de faire un maximum de choses comme ça. Bien entendu, il n'y aura pas que ça, il y aura aussi du jeu, hein, bien entendu, il y aura du game, il y aura. Comment dire, il y aura surtout aussi du Black Ops 3, parce qu'il va bientôt sortir. Je vais essayer vraiment de. Bah, par contre, ce qui est dommage, c'est que moi je vais l'avoir sur Xbox 300. Hein. Ouais, donc sur Old Gen, quoi, donc. C'est vrai que ça, c'est. C'est pas vraiment attirant, mais bon. Voilà, hein, je suis avec ce que je peux, de toute façon je peux pas vraiment faire mieux. Et donc du coup je vais prendre sur 300 parce que j'ai pas d'Xbox One et puis bah j'ai pas les sous. Perso, si j'aurais les sous, moi je serais même pas sur Xbox One, je serais sur PS4. Voilà, tu vois. Ouais, non, franchement ça le fait pas, je peux vraiment pas. D'habitude je me fais du 100 et quelques mille, là je me fais du 10 000. Ouais, ça fonctionnera vraiment pas. Non, bon, on va plus parler de hein, que jouer. Voilà, donc du coup, je me fais beaucoup de secrets de zombies, hein, vraiment, je vais essayer au maximum les succès aussi. Apparemment, il y a quelques succès, ce que je trouve quand même sympathique, bon, peut-être pas assez, mais quand même quelques-uns qui sont rajoutés sur Old Gen, ce que je trouve ça quand même, bon, je me suis dit, il faut vraiment qu'ils fassent ça, parce que sinon c'est vraiment des connards, et ils l'ont fait. Ils n'ont pas mis beaucoup, mais ils l'ont fait. C'est vraiment sympa de leur part. Ils auraient pu faire mieux. Mais ouais, c'est déjà bien. C'est ouais, c'est vraiment, c'est pas mal. Bon, ça permet de pouvoir mettre une petite exclusivité sur ancienne console. Après, ce que j'ai vu, peut-être que c'est faux. Hein, j'ai vu sur Xbox.fr, je crois. Un truc dans genre. Ouais, un truc. Un truc comme ça. Ouais. Donc voilà. Donc vraiment, ouais, je vais surtout faire du Black Ops 3, quoi. Un peu comme ZRK Glitcher. Lui, il va faire du Black Ops 3 aussi apparemment. Putain, ouais, j'attends ça avec impatience. Oh, il va tellement gérer sur Black Ops 3 que. Non mais ce mec, franchement. Il y a rien à dire, hein, c'est. Il est hors norme quoi. Il est hors norme. Hein. Franchement. Je l'adore ce mec, j'adore. Il y a aussi quelqu'un qui va bientôt. Enfin qui va bientôt. Qui va aussi bien jouer sur. Sur le Black Ops 3, c'est. Kenshin 9977 là, 9977. Lui, il va encore nous faire des bons petits trucs là, ça va être pas mal ça. Voilà, donc du coup, il y aura pas mal de Black Ops 3. Donc en fait, au niveau des succès, qu'est-ce qu'il y aura comme aide? Bah, par exemple, exemple, Terraria. Il y a des choses à avoir, ouais, beaucoup d'objets, beaucoup de choses à avoir quoi, tout simplement, hein, beaucoup de boss à battre, tout ça. Et ça peut jouer en ligne. Ah, ça, c'est pratique. Et donc, du coup, bah, je peux vous aider en vous donnant des objets. Par exemple,
J'ai quelqu'un qui m'a donné des objets un peu cheatés, j'ai envie de dire, tu vois. Genre des ailes qui fait voler à l'infini que d'habitude on n'a pas, bah par exemple ça là, tu vois, je peux vous y passer, je peux dupliquer tout ça sur Terraria, il y a une façon de dupliquer tout ça que si vous connaissez vous devez sûrement connaître. Voilà, donc ça c'était un exemple. Puis ouais bah ouais, il faudrait que j'arrive à. J'arrive à voir le gros là parce que j'ai un petit bug à vous montrer. Que j'ai vu il y a pas longtemps, vu récemment. Putain, j'arrive plus à jouer. C'est. Ça, c'est là. Ça, bah. Non, merde, qu'est-ce que je dis, moi? Laisse tomber. Non, mais enfin, laisse tomber, moi, je suis dans mon délire. Non, ouais, c'est dans le bus en fait. C'est dans le bus. C'est par rapport au gros là, le gros Magini. Si vraiment vous voulez vous faire des bons petits points tout en étant safe, voilà, il y a les zombies tranquilles, vous les tuez de temps en temps histoire de d'avoir des points, les laisser apparaître, vous avez le combo qui arrive derrière, c'est pas mal quoi. Et en gros le Magini, bah il vient pas tout simplement, voilà. Tout simplement il vient pas, vous pouvez le tuer assez facilement. Bon, après il fait un tour de merde, genre il va là-bas, il va derrière là-bas. Enfin, il tourne autour de derrière. Là. Et ouais, c'est relativement pas mal. On va chercher tous les bonus, tout ça. Puis après, dès qu'on est là, on est bien, on attend. Ça peut être pas mal. Ça peut être une technique, quoi, tout simplement. Ouais, ça peut être une très bonne technique, moi je trouve. Enfin bon, après, chacun pense qu'il veut. Généralement, les gens, putain, un cheater, je sais pas quoi. Enfin, genre de choses un peu complètement con. Et donc du coup bah c'est à peu près tout hein, sur ma chaîne hein. Après ouais, je vais essayer de faire aussi des. Oh, regarde, regarde. Oh, putain, il vient où là, il vient où là, il va là-haut, puis après il va sur le toit, puis après il redescend, il va là-bas, machin, enfin il fait un peu tout et n'importe quoi. Donc du coup c'est relativement pas mal. Hein. Ouais, par contre ouais, je fais de la merde. Ah voilà, c'est ça ce que je fais d'habitude. D'habitude je vais chercher tous les bonus, après je me fais des bons points avec avec les trucs de temps, ouais, ouais, c'est comme ça que je fais. Ouais. Même pas, il vient, ce débile. C'est un vrai handicapé. Enfin bon, moi je trouve ça pas mal. Quoi. Ouais, donc du coup, je vais essayer de faire des vidéos délire, tout ça. Des vidéos. Ouais, qui ressemblent vraiment pas à tout ce que je fais d'habitude. Donc, du genre, par exemple, qui ressemble pas à du jeu, qui va faire un peu de tout et n'importe quoi. Enfin, que ça me passe par la tête, je me dis tiens j'aimerais bien faire ça, bah hop tu vois je fais. Voilà, donc ça sera marqué on va dire d'une balise hein, sans les crochets. Ça sera écrit au début du titre, c'est écrit V délire, comme ça au moins c'est compréhensible quoi, voilà. Et ce que je vais essayer de faire aussi c'est au niveau des FAQ. Moi j'aime bien tout ce qui est FAQ, tout ça, dès qu'il y a un youtubeur qui met un FAQ tout de suite, je vais regarder et j'aime bien voir les réponses des questions, voir les questions, voir. Même si c'est des questions un peu cons, mais c'est toujours marrant à lire tout simplement. Et du coup bah, j'ai essayé de faire beaucoup de FAQ comme ça, récemment, régulièrement, je vais essayer de faire des FAQ. Parce que j'aime bien ça tout simplement hein, donc non je dis pas du tout tout simplement à tout va pas du tout voilà donc bon jusqu'ici je crois que je dis un peu tout hein. Bah après d'où vient le succès 300, ça j'ai pas dit. Le succès 300 Co, bah déjà le succès 300 ben, il vient des succès de la Xbox tout simplement hein. Bah tiens je vais vous montrer combien j'en ai, voilà. Donc j'en ai pas non plus extrême hein, mais bon c'est relativement pas mal hein. Il y en a qui vont dire quoi t'as un peu extrême, moi j'en ai que 5000 dis donc. Oui bah voilà, c'est vrai que j'en ai quand même pas mal, mais bon par exemple j'en ai mis, il en a plus de 100 000 quoi. Mais bon je me dis putain l'enculé. Putain il est bien allé vite quoi. Alors c'est qui, je sais qui c'est mais il est où. Et donc du coup succès 300, bon il vient des succès là. Et puis il y a le Enco. Alors le Enco, pourquoi? Bah parce que j'aimerais plus tard, hein, dès que ce sera disponible, hein, être dans le et compagnie, donc dans le et ses amis quoi, en gros quoi. En gros, j'aimerais pouvoir utiliser la PS3,
la PS4, la Xbox One, et vraiment aider quelqu'un, enfin les gens sur toutes les plateformes, quoi. Que ce soit sur old-gen ou next-gen. Mais bon, pour l'instant, je peux pas, c'est voilà, c'est trop compliqué. Pour l'instant, je peux vraiment rien faire. Et donc, du coup, je vais. Ah, mais attends, c'est un N. Donc, je vais essayer dans la suite de mon projet, quoi, voilà, de mettre en place cette chose. Et donc, du coup, ça risque d'être vraiment pas mal, quoi. Regardez, hop, 152 000, le mec. Ouais, j'ai envie de dire, il a 100 000 de plus que moi, putain, mais. Bon, moi aussi, il faut dire, je me suis un peu calmé en ce moment. Puis, bon, voilà, je me suis dit, merde, succès, bon. C'est bien cool de foncer, d'augmenter ça en 2 secondes, mais au final, bon, voilà, tu prends plus autant de plaisir, puis ça m'a vite saoulé, quoi. Je me suis vite dit, putain, il faut que tu te calmes, là, arrête, arrête, arrête. Arrête de faire que ça, tu vois. C'est pas. Ouais, c'est un peu trop chaud, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, j'ai plus vraiment grand chose à dire, quoi, en fait. Hein. Donc, je pense que, ouais, je vais terminer la vidéo là. Bon, vous voyez mes scores de merde. Hein. Bah, comme je vous ai dit, un Sheva tout simplement. Ouais. SS, hein, ça c'est sûr. Alors, le Sheva BSA, je sais pas si. Ouais, c'est obligé, c'est moi, enfin, je pense. Il n'y a que moi qui joue au jeu, donc. Mais j'avoue que je me suis surpris là. Le Sheva, comme ça. SS, quoi. Ok. Ben, donc, pour info, le Sheva BSS, BSA. C'est pas elle, si c'est elle. Ouais, c'est. Non, mais c'est avec ça. Mais putain, mais. Oh là 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 là, mais c'est violent. Ça, c'est le truc, c'était au début quand j'étais un narvalo. Putain, ça c'était avant, regarde. Ça, y a plus rien dedans. Ah, quoique, même pas, tiens. C'est même pas avec. Ah ouais, donc. Oh putain, dis, sérieux? Je fais ça, moi? Parce que moi, dans l'autre. Là, j'avais des SS. J'avais un SS, je crois. Ou un S. Mais à 2 joueurs. Ah, mais en duo, mais ça y est pas ici. Ah non, c'est pas marqué ici. Ok, ouais, donc non. Ok, donc c'est peut-être dans duo, peut-être. Ah non, écran partagé, je veux dire. Est-ce qu'il y a les trucs? Oh, je sais pas. Hein. Ah, voilà. Non, bah, c'est pas ici, mais. Ah, voilà, donc ouais, donc c'est bien dans celui-là, voilà. Donc, ouais, putain, c'est quand même assez chaud, quand même. 96 000 avec le cheval baisse, hein. Je suis bien content, donc. Enfin, bon. Bah voilà, je crois que j'ai fini là. Enfin, on va se terminer sur cette dernière note. Ouais, bah ouais, là j'ai. Ouais. Bon bah, moi j'ai qu'une chose à vous dire, hein. Ciao et puis bah une prochaine vidéo. Bah tout simplement dans les commentaires, hein. S'il y en a 2-3 qui voient ma vidéo, essayez de mettre des commentaires et me dire qu'est-ce qui pourrait être bien dans ma chaîne, qu'est-ce qui pourrait avoir tout ça. Ah oui, voilà, attends, je vais vous dire un truc quand même que je vais sûrement répéter dans les autres vidéos ou sinon que je vais mettre dans les descriptions, tout simplement, parce qu'au moins ils vont voir les gens à chaque fois qu'ils regardent dans les descriptions. C'est en gros au niveau de ce que je vais faire pour regarder les. Parce que je vais essayer de faire pour regarder les commentaires, je vais essayer de. En gros de les regarder genre une vidéo, je les regarde et dès que je sors une autre vidéo, et ben j'arrête de regarder ceux d'avant. Donc pour l'instant, enfin imaginons que je sors une vidéo, pendant une semaine j'en sors pas, et ben pendant toute cette semaine je vais regarder vraiment régulièrement les commentaires pour essayer vraiment de voilà d'être vraiment au courant du le plus de choses possible et n'hésitez pas vraiment à m'envoyer des MP si c'est vraiment important. Par contre, si c'est pas très important, genre oh putain, ça a été trop cool, tu vois. Genre franchement, j'en ai rien à foutre. Ouais, ça sert à rien de me le dire, autant de le dire dans les commentaires, je le verrai de toute façon. Ça sert à rien de le dire en MP, il faut vraiment un truc important vraiment qui concerne la chaîne, tout ça. Qui après, si vous pensez que c'est important, mais vous êtes pas sûr, bon, essayez quand même, hein, ça va pas me gêner. Je vais pas dire oh, espèce de connard, qu'est-ce que tu fous là, non, y a pas de soucis, hein, essayez quand même. Mais vraiment, voilà, oui, je pense que vous êtes apte à juger si c'est important ou pas. Voilà, et donc du coup, bah, je vais vraiment essayer de faire comme ça. Hein. Je sors une chaîne, enfin, je sors une vidéo, hop, je regarde. Je sors une autre vidéo, j'arrête de regarder celle d'avant, je regarde la nouvelle, et ainsi de suite. Voilà, donc je vais vraiment essayer de faire comme ça. Donc voilà, ça va être fait comme ça. Puis ça ira bien, quoi, je pense, à mon avis, je pense que ça pourrait être un bon rythme à prendre. Et donc du coup, bah. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, donc je vous dis ciao et j'espère qu'on va bientôt se rencontrer pour une nouvelle vidéo un peu plus
géniale que celle-là, parce qu'elle n'est pas non plus super géniale. Voilà. Donc moi, je vous dis bah, bonne nuit, enfin en tout cas pour moi, bonne nuit, parce qu'il est quand même... Bon, en fait, il est pas si tard que ça, mais bon, bonne nuit quand même.